Donc, on va aujourd'hui parler et essayer un peu d'éclaircir la problématique de la grippe AH1N1 et essayer un petit peu de différencier entre les deux grippes, la grippe saisonnière et la grippe H1N1. Donc, maintenant, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de. Je crois que les questions sont connues un petit peu. ولات هضره بزاف كثرت الهضره على هذا الغريب باش ان ان وغنحاولوا شي نهضروا عليه ونهضروا على الفاكسان لو بروبليم فاكسان حتى هو لي تو الموند سو لو موند اوبري دو لوي انا جيت هاد لا بريزونطاسيون راه غندير سي بريزونطاسيون ديال الميليستير الى واحد اون سيمين دو سيمين دونك جي سي ان تي بو ديكليرسير دو ايسي دو فير لو ماكسيموم ميرسي. Donc la grippe H1N1, c'est une grippe comme toutes les grippes, mais qui est différente par le sous-type qui est le H1N1. Donc les virus grippaux, voilà la structure de voilà la structure de virus. Donc les virus sont des mixovirus influenzaires, qui est trois types, qui est le A, le B et le C. Avec un génome ARN, ok, ce qui est bicelle, ou un gros groupe bicelle. Et les magnésiens, ok, la neuraminidase, ou les H1N, H1N. Donc, il y a des sous-types, c'est comme H1N1, H2N2, H3N3, qui est un bicelle, qui est beaucoup de sous-types qui se différencient. Le rôle essentiel dans les relations avec les cibles et les réponses immunitaires. Donc le type de virus influenzaire, comme on l'a dit, est le A, le C, ou le A, oui, qui est le C, c'est celui qui est trop fréquent. Donc chez l'homme, il y a les autres espèces animales. Donc il existe chez l'homme, en animal, en même temps, trois sous-types chez l'homme, qui est H1N1, H2N2, H3N2, pouvant être responsable de grandes épidémies, il va atteindre tous les groupes d'âge, nourrissons, enfants, ces âgés. Le type B, c'est celui faiblement épidémique. Il est seulement humain, peu d'enfants, il affecte beaucoup plus d'enfants que l'adulte. Donc le type C, il est rarement observé chez les humains et les pauvres, il est non épidémique. Donc on retient seulement le type A. Maintenant, tu peux aller pour dire, là, on va faire le tableau qui est déjà qu'il a été 1918, après la guerre, quand il y a eu le même virus. Donc, si vous voulez, la production d'un virus. Une variation qui va ajouter ce marque. La suite, c'est une variation qui est une diffusion de la vie, toujours une au bout de 20 à 30 ans. Avec ce qu'on a appelé des cassures. Donc, c'est qu'on a soit des cassures, soit des glissements. Les variations mineures. Les variations mineures, c'est à quoi disciplinée, à soi la discipline. Peut-être qu'on a cassure, est-ce qu'on a une variation qui va ajouter, c'est à quoi des continues. Donc, il y a un petit peu d'histoire que tout le monde va. J'ai un jeune travail, mais c'est aussi 1918 qu'il y a l'Espagne, d'accord? Et l'Espagne, il y a 40 millions. Normalement, 1889, qu'elle soit peut-être il y a 6 millions, c'est le H22. 1898, H3N2, d'accord? 2 millions de décès. 1918, c'est la fameuse grippe d'Espagne. Il y a 40 millions de morts. Il montre un petit peu la réalité de la grippe. Donc c'est une histoire. L'histoire, toujours qu'il faut demander l'histoire. La vie que sera absorbée. Quelle est la maladie de la chéra? Non, 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 elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. La chinoise, 1918, il y a 40 millions de décès. 1957, en Asie, il y a 4 millions. 1968, rencontre 2 millions, au cas de ma place 1977, vas-y, qui a un HLM à 15 km, c'est-à-dire le nombre de décès.
Donc les arbres sont habitués dans les dégâts qui étaient des fruits. Donc il y a beaucoup de centres, mais c'est un centre qui est plutôt le problème démographique. C'est un problème supérieur là. Problème démographique, problème biologique, différents virus, ok, le problème écologique. Ok, d'autres parce qu'on ne connaissait pas la divergence. Il y a des différents facteurs, des différentes parties, attends, t'as dit. Le virus qui est d'avec l'économie. Toujours l'histoire, donc il y a des limites de vie qui viennent d'origine arrière, depuis 1997, et Hong Kong, la Chine, les Pays-Bas, H5N1, H7N7, H9N2. Janvier 2004, les limites des autres virus à H5N1, qu'on proche de la Chine, l'Indonésie, Japon, pour les suites, par exemple, les mains. Le virus avien, H5N1, a été par la réponse, mais si par long. Donc, la transmission, comment se fait le virus, la construction de l'aide du virus? Normalement, il y a des oiseaux migrateurs. Il y a qu'un des plans, il y a qu'un des plans. Il y a de la porcine, la grippe porcine, la grippe ou la avien. Les oiseaux migrateurs, normalement les oiseaux migrateurs, qui le transmet, les canards élevés, les canards élevés, le transmet aux oiseaux domestiques, mais les oiseaux domestiques, ça passe le nom. Il y a 100 commentaires, c'est le porc qui a transmis la maladie. Il y a donc le virus aviaire, passe à normalement entre les oiseaux domestiques, mais les oiseaux domestiques chargent le porc. Normalement, tellement qu'il y a un virus entre normalement la grippe, qui est planté, qui grippe les oiseaux aériens, c'est là, c'est une reconstitution de le virus, de la constitution de le virus. Donc, il y a une recombinaison entre le porc ou alors un virus qui est humanisé ou un virus marchand. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués. Quel l'oiseau domestique, quel le porc ou l'homme. Ou peut-être une autre combinaison avant la durée. Donc la période pandémique. La période pandémique, c'est la partie très vite de la pandémie, par analogie au modèle statistique utilisé par la France. L'impact des pandémies de grippe au Maroc varie en fonction des types d'intervention et de l'incidence à conduire la maladie. C'est-à-dire le type d'intervention, moi je dois la traite, la traite, la traite. C'est ce que l'intervention de l'Aula ou de l'Aula. Donc l'intervention ou l'incidence de l'OMS. C'est deux facteurs qui sont à l'échelle du cône. Donc on a l'option d'intervention. Si vous avez un cas de l'Aula, les ministères, la santé publique, l'OMS, voilà, ce sera du cône mourir, ou ce sera du mot, ou ce sera du. وسمعتوها ولا ما الا كان قبل ما يوقع هادشي كانوا فوالا غتموت 10 مليون وغادي يكونوا مع شحال في العزمه شحال لان لو ناس هما لا لو ناس زعما ما تيعرفوش راه هادشي اللي كيديروا هي سيروجي دونك هنا اللي تقول لا لا ليس هذا الفونسيون لو ناس هذا الفونسيون ديال الديسيزيون ديالها اللي هي اونتر 15 و 35% ديال الديسيزيون قالت غادي يكون لي زانفيكتي غتكون اونتر